Thank you.
Dans sa mission de conserver la mémoire de ceux et celles qui sont
mort pour la France tout au long de son histoire, de veiller et participer à l'entretien de leurs tombes ainsi que des monuments élevés à leur gloire, tant en France qu'à l'étranger, et de transmettre le flambeau du souvenir aux générations successives, a souhaité placer ce soir cette cérémonie dans un cadre de fraternité en vous faisant partager avec la jeunesse de Tsilisay, le conseil municipal jeunesse de Mulhouse et les jeunes du comité du souvenir français de Mulhouse, les flammes de l'espoir. Notre fil rouge sera de raviver pour chacun de vous cette lumière du souvenir. Aujourd'hui, nous vivons dans une société qui évolue sans cesse, forte de ses nouvelles découvertes et de ses progrès novateurs. Cependant, pour bâtir des bases solides à cet avenir qui s'offre prometteur à chacun de nous, il faut savoir se retourner sur notre histoire. Certes, on ne peut éternellement se lamenter sur nos malheurs antérieurs pour envisager l'avenir. Mais il faut savoir faire ressurgir ces moments forts et hauts qui peuvent nous permettre de mieux nous construire. Le souvenir de la Grande Guerre et son évocation nous appellent aujourd'hui des images certes douloureuses, flanquées de sang, de boue et d'horreur. Mais l'image de ces hommes fiers, braves et volontaires, nous remémore aujourd'hui que dans les moments terribles, l'unité et la volonté de défendre une patrie peuvent permettre de faire table rase des reflets négatifs du passé. Quel bel exemple alors d'abnégation que celui de ces jeunes de 20 ans morts. Peut-on alors évoquer le fait que l'avenir sans le passé? Peut-on effacer de notre mémoire collective le visage de ces hommes de courage sans éprouver un pincement au cœur pour ces armes perdues pour notre liberté? Alors, oublions nos conditions présentes pour retrouver un court instant le costume de l'enfance et ainsi se souvenir avec les jeunes, en marquant son attachement à la constance du souvenir, en exprimant solidarité et reconnaissance envers ceux qui ont sacrifié leur vie, en développant les sentiments de respect et de tolérance. Accompagnons ce soir la ferveur de tous ces 250 jeunes en leur disant qu'on ne construit pas l'avenir sans le passé. À présent, place au recueillement, place au souvenir. Vous prenez les armes.
Pardon. L'échange de ces épistolaires est-elle le moyen le plus personnel pour ces poilus de se confier, de s'épancher sur les épreuves de cette guerre et de chercher encore et toujours ce réconfort que tout individu a besoin pour surmonter les difficultés. À toi alors. Mais la surprise ne vient pas des nombreux et généreux colis arrivant dans les tranchées françaises, allemandes et françaises. Car c'est l'attentat qui se produit. Après quelques instants, on va poser le fusil pour aller, une bougie à la main, voir celui d'en face. Pourtant décrit depuis des luttes, à l'école, aussi bien qu'à la caserne, comme un monstre sanguinaire. Et la musique coutumière des chants de Noël aidant, découvrir en lui un humain, lui serrer la main, échanger avec lui cigarettes et chocolat, et lui souhaiter un joyeux Noël pour Weihnachten, Merry Christmas. À vous, Cécile. Dehors, les pieds aussitôt engloutis, je secoue les paquets de boue glaciale qui pèsent autour de mes deux mains. C'est la désolation. Des corvées égrenées hors des boyaux impraticables et qui tâtonnent entre les trous d'eau. Quant à ma pauvre tranchée, c'est un bourbier ignoble, écroulé de partout. La boue molle triturée jusqu'à la pointe d'œuf de genou, à terre avec l'eau sale, semée des pas de flottants. J'entreprends de franchir les 50 mètres de boyaux qui me séparent de la première ligne. Les jambes écartées, enjambant la terre meule des éboulements, sondant prudemment la fente qui nivelle les tours. Et malgré tout, parfois, le bout de bois, le coin du sac vers lequel j'ai calculé mon élan s'enfonce. La boue aspire ma jambe, l'empoigne, la cramponne, la paralyse. Il me faut peiner durement pour la retirer.